Hey yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Kingful 2, je crois que ça s'appelle. Et on se retrouve sur ce jeu là, c'est un jeu de zombies. Et vraiment je l'ai téléchargé il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait il était gratuit à la base, il vaut 30 €. Il l'avait fait gratuit sur PSN. Et vraiment il est génial, ça va vous changer de Call of Duty Zombie. Donc c'est parti, je vais lancer une game les gars. Et puis on se retrouve sur la game, vous allez voir c'est hyper kiffant. Donc on va se préparer et c'est parti. Donc, alors tout simplement, je recommence à la vague où j'ai perdu. Ok. Donc, ma première fois, le seul souci, c'est que. Ouais, je vais bien, mais. J'ai pas Mitra. Hein? Vous allez voir, le jeu, il est vraiment kiffant. Donc, tout à l'heure, j'avais Mitra et tout, j'avais vraiment des bêtes d'armes. Je sais pas si là, je recommence à la vague où j'ai perdu. Je connais pas vraiment de vagues. Non, 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 c'est la vague du début, c'est bon. Je crois que c'est les vagues du début, parce que ce matin tout à l'heure je me suis pris un machin comme ça. Alors comme vous pouvez voir, le jeu il est vraiment vraiment bien. Et vraiment moi je trouve qu'il est vraiment bien comme jeu de zombie. Voilà, il est un peu stratégique parce que mine de rien vous pouvez quand même vous faire bloquer en un même temps. Donc le but du jeu c'est de faire en sorte que vous ne faites pas bloquer. La meilleure façon je pense que pour jouer à ce jeu c'est de jouer à plusieurs. Vous voyez, vous pouvez fermer les portes et tout. Bon, ça n'empêchera pas que les zombies d'avancer, mais. Voilà, quoi. Donc, je sais qu'il y a une MP7. J'ai trouvé une MP7 tout à l'heure là-bas. Donc, je vais aller la chercher. Après, ça peut changer, je crois. Si je n'ai pas trouvé tout à l'heure quand je suis repassé. Ah, là, il n'y a rien. Parce que tout à l'heure, j'ai trouvé une MP7 ici. Donc. Donc, ça devait être ce droit à pied plus facile pour moi. Mais en fait, ne... elle n'y est plus. Ah! Ouais, et alors vous voyez les coups ralentis, alors les coups ralentis aussi ils y sont dans le mode. Donc les coups ralentis, voilà, même quand vous tirez avec une arme, ça se peut que des fois vous l'avez, et je trouve ça vraiment kiffant. Rendez-vous au module indiqué pour le parce que c'est pas tous les jours où vous pouvez avoir des balles comme ça au ralenti. Donc là il faudra suivre le machin. En fait là en gros il va aller vous ramener des. Il va aller vous emmener aux munitions. Et aux munitions en fait on va dire que. Ah putain c'est par dehors. Ah donc il y avait une porte derrière. Putain. Donc au début du jeu en fait on spawn pas là. Hein. C'est juste moi qui a spawn là. Donc je vais reprendre des munitions de pistolet. Et je peux acheter donc le double pistolet pour l'instant. Voilà. Hop. Donc maintenant j'en ai deux. Mais tout à l'heure j'avais une petite MP7, c'était assez marrant en plus, mais trop. Je reprochais un truc, c'est qu'elle avait pas assez de balles, j'avais même un fusil à pompe sur le coup, il était pas mal aussi. Je sais pas, je les ai chopés tout ça. Et je vais essayer de voir si. Alors la map est hyper grande. Personnellement la map est super grande. Et est vraiment le jeu est vraiment super bien. Dernière chance. Je dois être ça change on va dire d'un Call of Duty Zombie où vous devez tourner dans tous les sens. Là vraiment le jeu dans l'ensemble il claque. Il claque vraiment le jeu et c'est pas comme n'est pas la même façon de jouer et tout. Attendez, déjà je prends le soin. Ah il y a un truc par terre, j'ai pas vu. C'est quoi? Vous avez ramassé des munitions. Ah putain. Donc là la porte est fermée. Donc faut peut-être. Ouais, vous voyez les balles ralenties. Alors il faut peut-être que je sorte d'ici tout de suite parce que sinon, si je me fais prendre ici en brochette, je suis dans la merde, j'aurais perdu. Donc je pense que c'est un jeu qui joue à plusieurs, déjà je pense. Parce qu'il n'est pas si facile que ça. On va retourner là parce que... On charge. Le jeu est vraiment bien les gars, personnellement moi je le kiffe là. Depuis que je suis dessus là, je fais vraiment ça que de geeker ce jeu. Malheureusement je pourrais pas geeker tout en ligne parce qu'il me reste encore quelques temps avant de le finir de l'installer. Donc c'est pour ça que je vous propose déjà un avant-goût de ce qui va arriver sur la chaîne. Et il casse vraiment les couilles par contre. Donc vous voyez un peu comment il est. Si vraiment vous avez pas pu jouer, j'espère encore que pour vous il est encore gratuit, j'espère vraiment sur cette chaîne. Parce que j'ai pas vérifié, mais je l'espère. Et s'il est gratuit, vraiment prenez-le. Ceux qui aiment bien les jeux un peu zombies et tout,
où il y a moyen de faire des manches et tout, et taper des bons délires avec vos potes. N'hésitez pas à prendre ces jeux-là, il est vraiment génial. Oh, je vais me faire piquer. Oh non, le con, je croyais qu'il y avait une arme. Ouais, je suis mort. Ah si, attends, passe-toi. Oh la vie de ma mère, j'ai eu de la chance. Oh, j'ai eu de la chance. Donc, vous avez l'avantage. Ah putain, c'est un miroir. Alors vous avez l'avantage, vous pouvez vous soigner. Donc dans l'ensemble. Module est à nouveau ouvert. Venez vous réapprendre. Vous êtes tranquille. Allez vous faire soigner. Vous avez très mauvais esprit. Mais le but du jeu, voilà, c'est pas de perdre son bouclier à fond parce que sinon. Comme je disais, voilà, le but du jeu, ce serait pas de perdre son bouclier pour être sûr d'être toujours protégé. Après, dans l'ensemble, le jeu, il est vraiment bien. Depuis que j'y ai joué, enfin, voilà, je vais pas mentir, je vais pas dire, non, j'y ai pas joué beaucoup. C'est déjà ma quatrième partie. Personnellement, bon, bah, j'ai été mort à la vague, enfin, moi, pour moi, j'ai fait 4-5 vagues. Et je me suis complètement fait arracher. Bon, on s'en fout, j'en ai pas besoin. Donc je peux avoir un Mikana. Ouais, je prends un Mikana. Je vais prendre une mitraillette. On dirait une genre de Vector. J'ai les pistolets de cowboy. Le temps est presque écoulé. Vite. Merde. Dans les fusils, non. Arbalète, non. Lance-flamme. Un brûleur. Est trop lourd pour vous. Choisissez quelque Donc chose un Mikana. Pourquoi j'ai une pioche? Le lance-flamme. Voilà, ah non, c'est une clouteuse. Oh là, calme-toi. Oh le délire! Oh le délire de malade, gros, ça les one-shot! Allez, viens, moi je vais jouer au Jedi, viens. Oh, ce qu'il vient de prendre. Mais il reste. Ah, par contre, il y a le pion sur moi, ça je peux pas le faire. Oh là. Comment c'est... Et j'ai oublié de prendre du bouclier, je crois, en partant. Qu'est-ce que tu fais, toi? Va te faire enculer. Est-ce que si je fais start, ouais c'est bon, ça fait start normal. Ah, parce que comme je sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'on filme, enfin que je vous mets la vidéo, donc c'est pour ça là, j'ai pas mon truc pour savoir. Oh là, la violence. Oh, je te coupe les jambes, bâtard. Non, vraiment, comme je vous disais, ce jeu il est vraiment bien. Et puis c'est vrai que, en fait, plus tu vas loin dans les manches, et plus putain la manette est prendre. Ah ouais, pas lui. Vous avez reçu une invitation de King Fu 2. Non mais va te faire foutre toi. Oh, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles les gars. Ah non, c'est pas grave. On y go. On y croit. Non. Il m'a pas vu. Oh là. Ah bah c'est mort, il m'a pensé. Ah ouais. Oh non. Ah peut-être pas. Sors le katana. Oui. Ah y'a peut-être moyen. Et il me reste 17 de chemin les gars. Sors-toi. Ouh la chatte à Mireille. Oh là. J'ai failli crever en plus. Ah bah voilà, je suis mort ici, ouais voilà. Donc j'ai été mort ici la dernière fois parce qu'en fait tout simplement je me suis pris les lance-flammes au début du jeu, j'ai pas trop compris, faut tirer. Je sais pas s'il faut les queues ou s'il faut tirer dessus, mais ah ouais, mais ils font super mal. Hein. Je vais pas vous mentir les gars, ils font super mal les enfoirés.
Hop là, ni vu ni connu. Tu m'as pas vu. Voilà le pognon sur terre. Ah, j'ai pris eux. Comme ça, je l'ai lui. Je vais me soigner, genre. C'est sympa, ça. Histoire de faire. Et je vais aller rusher au katana. Allez, passe la porte, passe la porte, passe la porte. Oui, je t'ai eu. Toi le plus long, dégage. Avec ces deux machettes dans les mains. Venez me voir. Le module est ouvert. Et voilà les gars, et bien voilà, joué. Ça c'est bon, ça c'est comme j'aime ça. Ce barbac n'a rien. On a gagné là. Très bon boulot. Mais pourquoi comment on se dit C4? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Alors. Content que ce soit pas mon. Bonjour. Venez donc, chercher vos accessoires déjà. Je vous conseille d'acheter de l'armure. Oh, oui, Dieu. C'est bon, t'inquiète, je remplis, je remplis. Ta clouteuse, par contre, elle a pas de balles, ça va m'énerver ça. On va vendre ça et on va acheter. Nous n'avons presque plus le temps, faites vos choix. Faites votre choix, t'inquiète, je le fais, c'est juste ce moment le temps de prendre des balles, non? Si t'es pas content, c'est pareil. On peut pas acheter un pompe. On peut pas acheter un pompe. J'ai un kiff. Ah, je peux pas prendre les pistolets de cowboy. Ah, je me serais bien pris les pistolets de cowboy. Oh, ah oui, le joujou, ah oui. Le module est fermé. Mode vénère. Pourquoi tu charges alors si tu sais j'ai des balles? Ah ok, c'est pour faire genre. Attendez les gars, je vais... Hop. Oh la vache, comment elle bouge par contre. Ah c'est d'une violence... On dirait un pistolet... On dirait quoi les munitions des petites mitrailles d'airsoft là? Vous êtes sérieux les gars? Ah ouais, les faux automatiques, d'accord. Dégage. Bougez. Tu vas faire le malin. Hein, c'est qui le gangster? Hein, oh la vache. Moi j'irai avec deux flingues, moi, comme dans une division. Hop. Et ouais, dans cette division, les mobs, les gars, ils ont deux flingues. Le fait, ils font tellement mal, ils ont foiré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense qu'on va pas s'arrêter, on va s'arrêter dans pas très longtemps, les gars. Donc, ce que je vais faire, je vais ranger donc tout ça. Je vais encore en profiter, on va dire, je vais vider les armes cheap là, celle-là, la clouteuse, je me pose. Quand je serai avec Troll, je joue, les gars, celle-là, je crois que c'est la première que je vais acheter. Elle fait trop mal. Il y a encore des munitions de merde. Ah, bouge. Ouais, bah voilà, au pire on va se tuer. Oh merde, j'ai appuyé sur le carré comme un con. Achevez les derniers afin que je puisse rouvrir. Au pire, ce qu'on va faire, on va se mettre dans le coin et puis on va se tuer. Comme ça, on va quitter le jeu en bon terme. On va dire. Ils m'auront tué, ils vont être contents, ils vont me faire mal. Tu l'as vu celle-là? Hop, eh bah ouais, il va. Ah ok, tu choisis le mode de... Comment tu veux. Donc voilà les gars, donc j'espère vraiment que cette petite game vous a plu. Personnellement, je me suis régalé. Vraiment, sans vous mentir, elle était vraiment bien la game. Donc voilà les gars, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Vous inquiétez pas, on vous fera une partie où on sera avec Troll dedans. Donc je pense qu'il y aura moyen de super bien rigoler. Et voilà les gars, et vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé. Voilà, si vraiment vous voulez le télécharger, n'hésitez pas, il est vraiment bien.
J'espère encore qu'il est gratuit parce que voilà, nous on est tombé dans la panne de gratuit. Sinon, je sais plus combien il vaut. Bon, il vaut pas une fortune, mais bon, ça fait un peu chier de payer un jeu pour faire les cons dans un zombie. Voilà. En tout cas, je préfère. C'est vrai que je préfère ce zombie-là par rapport au Call of Duty. C'est vrai que là, ça me change un peu. C'est assez marrant déjà au niveau des armes et tout, et le fait d'utiliser des trucs au ralenti. Donc voilà les gars, donc j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et en tout cas, avant de vous quitter tout de suite, pour ceux qui me demanderaient pour Ghost Recon en sniper, donc vous en faites pas, ça va arriver. Le seul truc, c'est qu'en fait, Troll devrait avoir peut-être le jeu dans fin du mois ou quoi. Donc tout simplement, je tiens à vous dire, voilà, soyez patient. Si vraiment Troll peut pas l'avoir la fin du mois, je vous proposerai du Ghost Recon en sniper furtif ou en sniper. Voilà, sur ce les gars, je vous demanderai juste d'être patient. Et puis moi je vous dis à la prochaine, ciao les gars, allez, à la prochaine.